On vous invite à aller manger quelque part, vous amenez les vins chez les blancs. C'est ça. Chez nous aussi, on fait un signe. Mm-hmm. Et je me rends compte que le signe que nous avons fait est exactement le même que vous avez fait. C'est le cas qui parle. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, c'est la même boîte. Oui, les bons esprits. Oui, ah ah ah, c'est ça. Ça, c'est un signe de jumeaux. Tout ça, c'est un signe de jumeaux. C'est un signe de jumeaux. Merci. Bon, tout ça, c'est la joie. Tout ça, c'est la joie. Merci. Merci. Je reste une seule petite chose. Mm-hmm. Symboliquement, la maman de Mireille va donner une marmite, une assiette à Mireille. Parce qu'on a, on a amené des assiettes, les ustensiles de cuisine pour lui, symbole qu'on vient la laisser, que son mari ne meurt jamais de faim. Chez nous, c'est ça. Le jour où M. Mounoko se promène dans le quartier, si Ebiya va venir boire de l'eau, parce qu'il fait chaud, s'il sonne à la porte et que c'est son fils qui sort et non sa fille, s'il voit son fils en train de maigrir, parce que chez nous c'est ça, le jour où William est venu demander la main de Mireille, on a vu ce qu'il fait. C'est ça. Donc il faut qu'on voit la différence pour qu'on sache que notre fille est en train de faire son travail correctement. Exactement. On ne demande pas qu'il devienne obèse, mais il faut qu'on voit. Pour ça, tu as la joie, oui. Voilà. Or, le bonheur. Pour ça, la première des choses, c'est la nourriture. C'est ça. Les bons frères, le secret pour avoir la confiance des bons frères, ce n'est pas autre chose. D'abord, quand ils arrivent chez toi, quand ils mangent bien, vous avez déjà la confiance des bons frères. Chez nous, on dit la corruption des bons frères, c'est la nourriture. C'est ça. Après les autres petits gestes, mais d'abord la nourriture. C'est ça. Si chez toi, on ne peut pas manger, c'est que tu n'es pas une bonne femme. C'est ça. Ça, c'est symbolique. Alors chez nous, c'est pour ça que les mamans viennent avec les ustensiles de cuisine pour dire, ça c'est, on t'apporte les outils de ton bureau. Même si tu travailles dehors, mais ton bureau à la maison pour ton mari, c'est d'abord ça. C'est ça. Mais c'est sur la table. Non, on est déposé sur la table. C'est pas la peine d'amener tout, juste simplement. Il y a quelque chose. Ah d'accord. Dépose, dépose. Dépose dessus. Dépose dessus. Ah, c'est pour lui. Il va parler. Mimi, je te remets. Mimi, je te remets. Et ma fille, je suis contente de donner ça. C'est pour faire que moi ne pas me rester faim. Si la faim, c'est ça que je vais pas vous préparer pour lui. C'est ça. Donc, je te donne ça. Les terres, les places, les terres. Merci. Merci. Donner à ton mari. Midi, 11h, 13h, il est la nourriture manger. Voilà, toujours. Toujours. Toujours.
Il y a même une anecdote qui est en fait vraie. C'est que parmi les assiettes, il y a des assiettes assez spéciales qui sont de meilleure qualité. Et ces assiettes-là sont réservées pour les beaux-parents. Quand les beaux-parents viennent, ils doivent recevoir les meilleures assiettes de la maison. Et ces assiettes-là, on ne sert pas n'importe qui. N'importe qui. Son mari peut manger ces mêmes assiettes de temps en temps. Mais quand les beaux-pères arrivent, ces assiettes-là, des hauts de gamme doivent sortir. C'est ça. Là, on lui a déjà parlé, mais on vous explique l'anecdote. C'est ça. Pareil que dans l'assiette du mari, on ne met pas deux morceaux de viande, un morceau de viande ou de poisson, non. Parce qu'on raconte quoi chez nous. Que quand les visiteurs sont venus de voyage loin la nuit, à minuit, une heure, ils arrivent chez vous parce qu'ils n'ont où dormir. Quand c'est ça. Comme ils ont fait la boue sur le chemin et qu'ils arrivent la nuit, ils doivent trouver quelque chose à manger. Ils étaient arrivés à l'improviste. Alors, c'est dans l'assiette du mari qu'on trouve les réserves nécessaires pour ces gens. C'est ça. Donc, on ne met pas des petits morceaux comme ça, non, ça doit toujours être garni. C'est ça. Oui. C'est pour ça chez nous aussi, on n'a pas les assiettes la nuit. On n'a pas les casseroles la nuit. Moi j'étais avec mon oncle. J'avais toujours un étranger, un beau monsieur, un beau planteur à l'époque. Un Dida. Quand il vient, tu m'empêches de faire sa table. Et c'est que quand tu manques à la fin de manger, il y a du beau reste dans la casserole et dans l'assiette, la soupière. Je mange. Mais une fois, il a eu le malheur de vider la soupière. C'est-à-dire qu'il a mangé, il n'a fait rien sur la table. Je regarde, rien. Alors, je me suis mis à bouder. Alors mon papa me demande, mais que c'est dit, mais l'étranger aujourd'hui, la fille de moi, j'ai dit, oh là, ne fais pas ça, va la cuisine, je dis, non, c'est quand il reste là, je mange là, ça me rassasie. Il est parti, il est revenu, j'ai pas fait sa table, dès qu'il est arrivé, je suis sorti, j'ai pas fait sa table. C'est lui qui a fait sa table. Et mon oncle, il savait pourquoi j'ai pas fait la table. Voilà, l'anecdote. C'est pour dire que, dans l'assiette de l'homme, tu dois avoir toujours un restant. Toujours un restant. Même si tu es gourmand, laisse un peu. Peut-être que ta femme qui a préparé là, elle a tellement pensé à toi, elle n'a pas retenu pour elle. Mais elle attend le reste de ce que tu vas laisser. Voilà. Même si tu n'as pas rassasié, laisse. Il y a quelqu'un qui doit venir. Ou ta femme n'a pas mangé à cause de toi. Laisse. Voilà. C'est ça. Merci. Merci. Toi aussi, tu as dit quelque chose. Je sais que tu as dit quelque chose. Voilà. Je sais que toi, tu as dit quelque chose. Je t'écoute, mon frère. Voilà. Mimi. Viens, je t'ai compris, vraiment. Et ton papa, ouais. Monsieur, sois papa. Toi, tu as pris pour moi, je crois, pour toi, tu vas nous dans le jeu. Voilà. Bon, on n'est pas désolé, c'est à maman. Voilà, c'est ma fille. Tu es là. Mimi, je suis ton papa, hein. Tu as parlé déjà. Tous les samedis, dimanches, là, je dois manger feuilles, hein. Ah. La famille. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Tu l'abandonnes pour moi. La famille, si je suis mort, là. Il va grossir. Là que je suis en vie là, lui n'a qu'à maigrir. Voilà, merci. Mimi, j'ai dit, voilà le parle. C'est ça. C'est ton papa, c'est ta maman. Fais tout pour pas faire pleurer Mimi. Si maman n'a pas de mari, Ils sont là. Voilà. Non, il ne faut pas pleurer. Hein. On ne pleure pas. Ok.
Ça fait mal. C'est la joie. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est, mais c'est bon. Mm-hmm. C'est un mal nécessaire. Mm-hmm. Ne pleure pas. Yapo. Yapo. Yapa, yapo. Il pleure, yapo. Pas mal, courage. Hein. Il y a quelque chose là que moi, depuis là, je veux poser la question de Jésus. Mm-hmm. Les propos là, ils sont vrais. Si, si. Les quoi? Les propos, si, si, ils sont vrais. Ils sont vrais. C'est oui. Les vrais propos. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on mange coco ici là. Si, on mange. Ah, même c'est pas, on mange. Depuis là. Si. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Non, non, non. Non, non. Pas cette famille là. Pas cette famille. J'ai oublié de vous présenter les photos qui sont sur le mur. Oui. Voilà. Le monsieur qui est à la, là-bas, oui. Il se ressemble. Hein. Oui, vous le voyez. Là aussi, il se ressemble. Oui. C'est le papa de mon épouse. C'est son papa. L'autre côté, c'est sa maman. Elle se ressemble tellement. C'est son papa, c'est sa maman. C'est une photo. Donc ici, vous êtes au domicile de son père. C'est la fille aînée. Pardon, j'ai touché ses seins qui m'appartiennent d'ailleurs. Sans me rendre compte, j'ai touché, c'est l'aimant du corps de la femme. C'est ça qui attire. Voilà. Donc, c'est les petits-enfants qui sont là. Voilà. C'est le petit fils de Tata Bélu, ça s'appelle Tata Bélu. Sinon, pas, il mange pas. Non, il mange pas. Non. Lui, il mange pas, il a fait. Bon, ça, c'est juste. Il a acheté ça. Pour orner. Il y en a là qui mangent. Oui, dans ce qu'il y a qui mangent. Même le serpent, les tortues, quoi. Ça de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te remercions Jésus. Nous te remercions Jésus. Nous te remercions Jésus de tout cœur. Nous te remercions Jésus. Nous te remercions Jésus. Nous te remercions Jésus de tout cœur. Merci Seigneur. C'est toi qui es au cœur de notre vie et de ta mère. C'est toi, ô Dieu, on donne à tes notre bonne chose, Jésus. Voilà ce soir, nous sommes venus ici, Père, ma Père, nous disons merci Seigneur. Bénissez-vous d'abord, ô maudit, mon Dieu, nous reçois du béni. Père, à condition que nous sommes venus ici, Père, tes paroles, tu nous crois. Nous disons merci. Bénissez la femme ce soir, ô mon Dieu, ma foi. Bénis la famille, bénis le couple, ô Dieu, tu te fais de toi, tu Père, que nous disons merci, ce soir, tu nous le crois. Père, que nous te ma foi. Bon appétit. On dit à quelqu'un pain, à quelqu'un blanc, les sauces sont composées de pas de bœuf, requin,
un tout petit peu pour faire le dessert. Sauce à mâchoire. Voilà. Parce que nous, ici, on...